Hello guys, non pas c'est Gerlin Harris. Mais app travail pour plateforme premier niveau qui c'est une plateforme qui est là pour partager un ensemble de contenus tels que des vidéos au niveau du département du Sud, des vidéos qui montrent un ensemble de potentialités qui gagnent dans le département Sud là qui est ville nous gagnent et nous promettons que l'autre département yo n'a pas arrivé sur yo. En façon pour capable découvrir tout ça qui gagne comme bon bagaille là-dedans. Je dis à moi dans ville Tobek. Moi décidé faire cette vidéo ça pour capable apprendre plus de ville ça. C'est une commune qui pas très loin de ville Okaï. Si vous dans ville Okaï, vous capable faire environ 10 à 15 minutes dépendamment de gens qui conduit véhicule qui ou ensemble avec là. Je vais faire un petit parler ensemble avec nous de ville ça. C'est une ville qui est très belle, c'est une ville qui a une très grande culture, c'est une ville qui a une très grande histoire. Maintenant, je vous demande abonnez à la chaîne YouTube là. Toujours être connecté ensemble avec nous pour ne pas rater l'autre vidéo que nous avons partagée. Invitez vos amis à rester connectés sur la chaîne ça. Dans ce qui est pour avec espace, superficie ville Tobek évaluée environ 50 km². Ville s'est fondée en 1719. Et au Gépatron, les chrétiens catholiques ont fêté la fête Saint-Joseph chaque 19 mars. C'est toujours une manifestation culturelle. Chaque fête s'arrive, un pile de monde toujours sorti de l'autre côté pour venir enjoy, prier, etc. La commune Tobek a 4 sections communales qui sont Bouri, Béo, Solon, Moro. Et on considère deux quartiers qui sont du 6 ensemble avec Femme Leblanc. Dans les affaires économiques, les habitants ont entré l'argent dans l'agriculture, qui est considéré comme maman économique dans la ville. Ils cultivent maïs, du riz, pitimi, avec un paquet de bagailles encore. Après ça, il y a d'autres qui développent l'autre activité, comme la pêche. Parce que c'est une ville côtière et il y a d'autres monde qui pratiquent l'élevage tout. M'bralba nous petit secret ça, ou même qu'app regarder vidéo ça, si ou t'a aimé venir investir dans pays là, bien si t'a aimé venir investir dans département Sud. C'est une plus bonne ville, c'est une plus bonne commune qui gagne pour t'a investir l'argent pour t'a créer un business. Etc. Quel que soit sauf les créa, c'est une ville qui est très paisible, c'est une ville là là-dedans ou à l'aise. Je garantis ça, c'est une ville où capable de venir mettre business, venir créer une entreprise, etc. Ville Tobek, commune Tobek, il y a un paquet de bagages qui est capable d'attirer ou venir là-dedans. C'est une ville qui a une très grande histoire, j'aime te dire là. C'est une ville qui est très belle, qui a un beau paysage. Que vous êtes capable d'admirer, contempler la nature. Dans sa fait histoire, ville ça, c'est une ville qui était là pour protéger le pays. À l'époque, blanc français te qu'on entré dans le pays. Eh bien, après que le pays d'Haïti te fin prend indépendance, il te vite arrivé à construire un fort qui te porte nom Fort des Platons, qui a été construit pour protéger le territoire noir contre le retour blanc français. C'est un fort qui était construit sous direction général Nicolas Giffard. Mais pas qu'à faire vidéo ça pour ne pas parler de quelques personnalités qui liées à ville ça. Tels que Louis Bois-Antonin, qui est un écrivain et historien haïtien, qui était secrétaire ancien président Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Et c'est lui-même qui était rédacteur acte de l'indépendance pays d'Haïti. Comme l'autre personnalité qui marque non, c'est Rivière Hurard, qui était un officier dans la guerre de l'indépendance, là, qui était un opposant à la dictature de Jean-Pierre Boyer. Et lui-même menait une révolution dans l'année 1843, quand il était arrivé chasser, courir derrière Jean-Pierre Boyer sous pouvoir. Il était arrivé président le 4 janvier 1844. Mais Rivière Hurard n'a pas fait dans la commune Tobek.
il te prend naissance dans la commune Port-Salut, qui est une commune qui n'est pas très loin de Tobek. Mais arrivé un certain temps, il te vient déplacer pour vivre dans la ville là, à cause de paysage là qu'il était vraiment apprécié. Et même bien au lycée qui portait nom citoyen ça. J'en ai remarqué dans la vidéo. Pour cause éducation, il y a plusieurs institutions classiques que tout le monde qui fait dans la zone ça capable d'apprendre. Et même il y a une université qui est une meilleure université que le département sud là gagne, qui c'est INDH, Université Notre-Dame d'Haïti. Nous même en de plateforme ça, nous là pour nous faire découvrir ensemble de bagages positifs qu'a fait dans le département, dans le pays. Je salue tous les jeunes qui décident de contribuer dans l'avancement, dans le développement de la ville côté de sortie. Et spécialement Cazeneuve Yves-Marie, qui est un jeune très positif que moi j'ai rencontré dans la ville de Tobek, qui a aidé la commune de façon qu'elle est capable. Qui décide de créer un ensemble d'activités qui a un groupe qui relaie AJCBT ou bien MJBT, qui est l'association des jeunes de la cité Bois-en-Tonnerre de Tobek. C'est un groupe socio-culturel qui décide d'organiser un ensemble d'activités sur le plan éducatif, sur le plan sportif. Côté que dans le jour qu'a venir là, plus précisément dans la date 29 septembre, que y a un tournoi de 4 équipes que y a organisé pour capable commémorer 120 ans depuis que le football a pris naissance dans le pays. J'espère que tout jeune qui a une capacité, tout jeune qui a des moyens pour développer un bagage, pour créer une activité, pour créer un bagage où penser qui a développé la ville, qui a développé la commune, qui a développé la zone côté sortie. Créer. Parce que vous ne connaissez jamais, vous ne connaissez pas qui vous avez gardé. Peut-être ça va faire, vous ne devez pas toucher pour lui. Mais espérez que vous faites pour l'avancement commune, pour l'avancement de la ville, pour l'avancement du pays. Vous pouvez commencer avec ça. Commencer avec ça que vous avez dans le monde. Vous n'avez pas besoin de focus pour dire bon, tant, bon, tant, ça me gagne, bon, tant, je gagne plus de bagages. Non. Vous pouvez commencer avec ça que vous avez dans le monde. Et puis, on a joué un résultat. Département sud là, c'est un département qui attire les gens venir là-dedans. Sud là, il y a une belle plage là-dedans. Et là, venir dans la ville Tobek, on ne peut regretter. Parce que on a des côtés pour prendre plaisir, pour enjoy. Ville là, il y a une belle plage, comme la plage Bamboula, Riverside, qui est un côté, qui est une série d'endroits pour être capable de poser. Je vais une vidéo que fait sur Riverside pour que vous regardiez ou après ça m'a dit là. Pour que vous baigner, l'envenir dans la ville de Tobek. Ou même vous regardez la vidéo ça, je demande tant pis partager la vidéo avec vos amis. Partagez avec les gens qui sont dans le département sud, qui sont dans l'autre département. Pas hésiter à abonner à la chaîne YouTube là pour ne pas rater l'autre vidéo que vous partagez. C'est une façon ou capable de supporter nous pour dire nous que le travail n'a fait il mérite pour que plus de monde well. Ou capable quitter un commentaire pour nous en bas vidéo dis nous comment ouais travail là. Ou capable faire un petit parler ensemble avec nous sur WhatsApp numéro ou capable contacter nous c'est 42 78 74 61 42 78 74 61. Je vous remercie de connecté avec nous. Nous avons une plus belle vidéo pour vous. Bye bye, nous vous croisons dans la prochaine vidéo.